Communion au quotidien. Amis, nous sommes le mercredi 22 juin 2022. Bonjour, bienvenue à Communion au quotidien pour aujourd'hui. J'espère que vous vous êtes bien réveillés et disposés pour nous accueillir chez vous. Pour cette nouvelle sortie, le sujet que nous traitons, c'est tous les croyants intégrés dans la famille de Dieu au même titre. Depuis la tour de Babel, où Dieu a confondu le langage des hommes, il les a dispersés sur toute la surface de la terre, Dieu vient à distinguer un homme du nom d'Abraham, qu'il a appelé à devenir une grande nation et dont la postérité devra bénir toutes les nations. D'Abraham, Dieu a donné naissance à Israël, qu'il a déclaré être son peuple. Ainsi, toutes les autres nations sombrent dans l'idolâtrie. Israël était le seul peuple monothéiste de l'époque. Sa mission était de servir de médiateur entre Dieu et les autres nations, pour les attirer à Dieu. Rôle dans lequel Israël a échoué. Non seulement en devenant tout aussi idolâtre que les autres nations, mais aussi en développant une sorte d'orgueil discriminatoire contre les autres nations, puisqu'ils se croient le peuple de Dieu, héritier des promesses et des alliances, donc les autres peuples n'ont quasiment pas de place en Dieu. Parallèlement, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3, le verset 16. Il dit aussi, en Jean chapitre 1, le verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Donc, quelle est la place des croyants non-juifs en Dieu? Quelle est la place des croyants juifs en Dieu? Lisons Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 22 pour trouver tous ces détails. La Bible dit, c'est pourquoi vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui, des deux, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés
pour être une habitation de Dieu en esprit. Paul établit la place des païens, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas juifs, en Dieu, sur la seule base de la grâce. Il est tout aussi notable que les juifs aussi ont leur place en Dieu sur la même base. Les juifs considèrent la circoncision comme marque distinctive de leur appartenance à Dieu pour s'enorgueillir et discriminer les autres. Bon, en réalité, l'arrière-plan religieux des non-juifs n'est pas très inventé. Étant sans Christ, sans droit de cité en Israël, étranger aux alliances et aux promesses, sans espérance et sans Dieu, c'est un tableau non reluisant. Mais la Bible dit, « Mais maintenant, en Christ, par la grâce de Dieu, ceux qui ne sont pas juifs, sur la même base, sur la base de leur foi en Christ, sont rapprochés par le sang de Christ. Car Jésus a fait la paix en déterminant que, juifs ou païens, sur la base de la foi, sont devenus un seul peuple qu'est l'Église. » De cette manière, Jésus a réconcilié l'irréconciliable pour former un seul corps en détruisant le mur de séparation par la croix. Le voile s'est déchiré. Désormais, Dieu place une seule mesure pour tout le monde, l'Évangile. La bonne nouvelle annoncée à tous. Donc, tous les croyants, juifs et non-juifs, peuvent s'approcher de Dieu par le Christ grâce au Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que cela implique? Cela implique que vous et moi, amis, qui croyons en Jésus-Christ, certes, nous ne sommes pas juifs. Certes, nous n'avons pas un arrière-plan religieux intéressant. Mais gloire soit rendue à Dieu. Par la grâce de Dieu, sur la base de notre foi en Christ, nous ne sommes ni étrangers, ni des gens de passage. Nous faisons partie du peuple de Dieu. Nous sommes de la famille de Dieu. Nous formons une maison. La Bible dit que c'est une construction solide, fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, dont Jésus est la pierre angulaire. Ainsi, chaque croyant, juif ou non juif, est une pierre vivante dans la construction de la maison spirituelle divine pour former un temple saint en Christ. Donc, qui que vous soyez, arrêtez cette discrimination. C'est de l'orgueil démesuré. Car en Christ, ce qui importe, c'est d'être une nouvelle créature. Et la Bible dit en Galates, Dieu ne considère pas si vous êtes une femme ou un homme, un esclave ou un libre. Il veut que tous nous soyons un en Christ. J'en appelle à tout un chacun comme croyant. Arrêtons de dresser des murs entre les croyants. Puisque à la croix, le corps du Christ déchiré a déchiré aussi le voile de séparation entre les croyants. Prions ensemble. Père des cieux, que toute la gloire te soit rendue pour mon intégration dans ta famille.
Je te remercie de m'avoir rapproché de toi par le sang de Jésus-Christ versé à la croix. Oui, c'est Jésus ma paix. C'est Jésus la paix de tous les croyants. J'étais étranger aux alliances de l'Ancien Testament et aux promesses. J'étais séparé de la vie divine, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais je te rends grâce que par le sacrifice du calvaire, tu m'as incorporé à ta grande famille. Tu m'as réconcilié avec toi pour faire partie de ton seul peuple nouveau. Ainsi, tu as brisé les barrières de toutes sortes, nous ayant privés de tes alliances. Par la croix, la haine est bannie et la bonne nouvelle devient accessible à tous. Par le Christ, tous, nous pouvons nous approcher de Dieu par le Saint-Esprit. Nous te rendons grâce. Nous disons Amen. Nous te glorifions. Désormais, tous les croyants font partie de ton peuple et détiennent tous les mêmes droits et privilèges liés à ta famille. Désormais, nous sommes devenus ta maison, fondée sur ta parole, ayant Christ pour pierre angulaire. C'est pourquoi cette maison est solide. Nous bénissons ton nom. Cette maison est sainte, là où tu habites. Merci de nous avoir sanctifiés pour faire partie de ta maison. Merci d'avoir fait de nous une pierre vivante dans cette construction merveilleuse. Seigneur, nous voulons déclarer ce matin ouvertement mais humblement que toutes ces paroles sont accomplies dans notre vie de croyants, dans la vie de nos familles et dans la vie de tous ceux qui sont connectés à ce service maintenant. Et au nom de Jésus, je prie que cette parole traverse les cœurs et les touche à salut, à repentance et à sanctification. Tous nos besoins sont devant toi. Tu nous dis dans ta parole de ne pas nous inquiéter, mais de te faire connaître nos besoins par des prières et des supplications, afin que ta paix puisse garder nos cœurs. Seigneur, nous sommes devant toi avec nos requêtes. D'abord pour notre pays, pour le peuple haïtien. Seigneur, jusque à quand? Seigneur, jusque à quand? Nous attendons ton mot dans cette situation. Merci pour les familles de ce pays. Merci pour les familles qui continuent à investir dans ce pays. Merci pour chaque Haïtien qui croit encore en ce rêve de voir notre pays se relever de ce bourbier. Au nom de Jésus, nous déclarons que notre pays redeviendra ce qu'il a été avant et encore plus. Au nom de Jésus, nous déclarons que notre pays connaisse la sécurité. Au nom de Jésus, nous déclarons que notre pays devient prospère. Au nom de Jésus, nous déclarons notre espoir sur notre pays. Ô Père, tu connais chaque Haïtien et tu connais chacun placé en position de responsabilité dans ce pays.
Père, aie pitié de nous. Père, interviens en notre faveur. Nous voulons penser à ceux qui sont malades dans ce pays, aux femmes enceintes, aux enfants. Tu connais les difficultés des structures sanitaires dans ce pays. Ah, vraiment, si l'Éternel n'était pas notre secours, notre âme serait bien vite dans la demeure du silence. Mais gloire soit rendue à Dieu. C'est toi notre secours. Gloire soit rendue à Dieu. C'est toi notre secours. Et c'est pourquoi nous voulons continuer d'espérer en toi. Nous voulons prier, Seigneur, pour la mission chrétienne dans le monde et notamment dans notre pays. Nous voulons prier, Seigneur, pour la compréhension de ta parole dans notre pays. Seigneur, accorde, Seigneur, un esprit de discernement pour que les Haïtiens puissent te découvrir et réaliser qu'avec toi seul, nous pourrons reconstruire ce pays. Encore une fois, nous bénissons ton nom, nous te remercions et nous comptons sur toi. Accorde-nous tes faveurs, ta miséricorde, ta provision et ta protection. Au nom et par les mérites de Jésus, nous te prions. Amen, amen et amen. Amis, à travers ce message, je sens le besoin de vous dire qu'aujourd'hui, nous pouvons réaliser que nous faisons partie de la famille de Dieu. Et si nous faisons partie de la famille de Dieu, nous jouissons aussi de tous les droits dignes d'un membre de la famille de Dieu. Et c'est pourquoi je voudrais vous encourager ce matin à vous relever, triomphant devant le trône de Dieu pour affronter cette nouvelle journée victorieusement. Parce que c'est Dieu qui nous a promis de nous accorder réussite dans tout ce que nous entreprenons. Que le Seigneur soit avec vous. Allez-y avec cette force extraordinaire qu'il a mis en vous à travers le Saint-Esprit. Ayez une excellente journée avec Dieu. C'était Communion au quotidien.